Bonjour tout le monde, bienvenue à ma chaîne. Alors aujourd'hui, je suis là pour faire une autre mise à jour du parcours de la flamme jumelle, âme sœur ou flamme jumelle. C'est sûr qu'il y a une petite différence. OK. Alors, on va regarder tous les messages. On va regarder comment votre personne se sent présentement, le travail qu'ils font, leurs sentiments pour vous et... On va regarder l'énergie en général entre vous deux. OK. On va regarder où est-ce que vous êtes rendu dans votre parcours. Normalement, je lis pour les gens qui sont présentement en séparation ou très peu de communication. On est encore dans le rétrograde de Mercure jusqu'au 10. Alors, encore des émotions quand même assez... quand même assez intense avec la pleine lune qui s'en vient en plus. Alors, je ne sais pas comment vous vous sentez, mais moi, hier, je voulais vous faire une lecture. Je me sentais poussée, mais là, je me suis dit, ah, ça me semble que ça ne fait pas assez longtemps. Et là, aujourd'hui, ce matin, je ne me pouvais plus. Alors, beaucoup, beaucoup, beaucoup de messages dans la vidéo en anglais, énormément de messages. En tout cas, on va aller regarder tout ce qui va rentrer pour vous. J'espère que vous allez être capable de me suivre. Moi, j'avais de la misère à me suivre moi-même. Alors, c'est ça. Pour les lectures personnelles, vous pouvez m'écrire à mon adresse Gmail que vous allez trouver dans la boîte de description en dessous de la vidéo ainsi que d'autres informations pour vous. Si cette lecture ne vous parle pas aujourd'hui, elle n'est peut-être pas pour vous ou le message n'est pas pour vous aujourd'hui. Ou les messages, parce que j'en ai tellement eu. il y en avait. Aussi, il n'y a pas de temps dans le tarot. Je m'excuse. Je me suis trompée de langue tout d'un coup. Il n'y a pas de temps dans le tarot. Alors, vous pouvez même reculer en arrière, voir les autres vidéos, février, janvier. Ça peut déjà là être en train de vous parler, là. OK. Et même les 2020 aussi là, sont encore très pertinentes. Vidéo pertinente. Alors, c'est ça. Je voulais vous remercier de vous abonner, d'aimer, de partager les vidéos. C'est vraiment super et très... je suis toute excitée. C'est fun. C'est spécial. Je ne m'attendais pas à ça. Moi, je me disais probablement... 30 abonnés ever. J'ai pas pensé. Et en tout cas, c'est ça. On va commencer tout de suite la lecture. On va aller voir tous les messages pour vous concernant votre flamme jumelle, votre âme sœur, quelqu'un avec qui vous êtes en séparation. C'est vraiment très intense. Il y a beaucoup de monde qui m'écrivent. C'est quelque chose. Tout le monde veut des lectures personnelles. C'est ça. Tout le monde veut savoir. Je comprends. On va aller regarder vraiment, vraiment tous les messages pour vous aujourd'hui. Tout ce qui va rentrer pour vous. J'aimerais que vous vous sentez soulagé et reconforté après cette lecture, toujours. L'empereur. Alors, il est sorti aussi en anglais. Quatre des baguettes. Le fou. Le chevalier des pentacles. Je ne sais pas si c'est vous ou l'autre personne. Il y a quelqu'un qui est très, très, très prêt ou prête à avancer. Un nouveau début avec vous. Un nouveau début, je vous le dis. Cette personne avance peut-être un peu lentement ou avançait lentement. OK, on va aller regarder comment
Là, cette personne, il n'y a pas de doute. Il n'y a aucun doute. Cette personne veut s'engager, veut quelque chose avec vous comme ça. Okay? Ça, c'est quatre des baguettes, c'est l'amour, c'est nouvel engagement, c'est passion, c'est vraiment l'amour pur. Okay? Pur. Inconditionnel. Okay? Ça peut être. Et il peut y avoir élément feu ici, Sagittaire, Lion, Bélier. On voit énergie beaucoup Bélier. Alors, vous pouvez faire affaire avec quelqu'un de cette énergie ou quelqu'un qui se sent, ça peut être vous, quelqu'un qui se sent très stable. OK? Quelqu'un qui ne veut pas trop bouger, là. Quelqu'un qui a acquis une nouvelle confiance dans cette connexion, est confiant qu'il y aura un nouveau début, est confiant que la personne avance lentement. Mais avance. Et confiant que ça s'avance et ça s'en vient. Alors, ça peut être vous maintenant avec une nouvelle confiance. C'est pas très clair, 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 je vais vous dire. Pas aussi clair qu'en anglais. Parce que je ne sais pas si c'est vous ou c'est votre personne. Alors, il y a quelqu'un qui se sent très près maintenant. Quelqu'un qui se sent très stable, quelqu'un qui se sent plus confiant ou confiante à commencer, à avancer vers ça avec vous. Okay? Cette personne peut s'avancer très lentement. Et ça peut être. Il y a énergie taureau, vierge ici, capricorne. On voit. Peut-être plus comme taureau, vierge ici. Alors, quelqu'un qui est très posé dans ses décisions, qui a pris beaucoup de temps à songer. C'est quelqu'un de quand même très intelligent, intelligente, quelqu'un qui ne se précipite pas. Pour vous, qui, et j'ai l'impression, énergie feu, c'est un petit peu long pour vous, l'attente. Mais vous avez confiance maintenant, vous avez décidé là, là, là. Moi, je laisse aller ça. Il va y avoir un nouveau début qui s'en vient, j'ai confiance. OK. Ça, c'est un message. C'est drôle. Cette personne est habillée en robe rouge. Vous avez remarqué, comme l'empereur. Alors, moi, j'ai l'impression, c'est vraiment. On se sent vraiment, vraiment, on dirait que c'est la même personne. C'est quelqu'un qui se sent très stable dans cette connexion. Quelqu'un qui a confiance que ça pourrait marcher, que ça pourrait être tellement quelque chose de beau, un beau nouveau début. Chevalier, non, pas du tout chevalier, qu'est-ce que je fais là? Le valet des baguettes, il est sorti en anglais aussi, il est sorti deux fois. Ça, le message est très clair. Là, il y a quelqu'un qui veut communiquer avec vous. L'étoile ici. Alors, on a énergie Verseau. Quelqu'un qui va avancer vers quelque chose de tellement beau avec vous. Regardez ça va se passer. Ça s'en vient. C'est là, en fait. C'est là. 10 des pentacles. Alors, abondance, une abondance ici, une abondance. Cette personne sent qu'il y aurait de l'abondance avec vous, avec pas juste, pas côté nécessairement côté monétaire, mais côté émotion, côté stabilité, tout ça. Cette personne ressent qu'ils vont avoir énormément de stabilité avec vous, que vous représentez ça vraiment. Vous représentez ça pour eux. Alors, cette personne se sent prête, réalise que vous êtes, réalise qui vous êtes pour eux. Cette personne peut être en train de focusser beaucoup, beaucoup sur son travail, énormément. C'est pour ça qu'il avance lentement. Cette personne focus sur sa carrière, présentement, beaucoup. Alors, il y a d'autres préoccupations. Cette personne a d'autres. Mais c'est quand même une connexion très importante pour cette personne. Mais il y a le travail, il y a aussi peut-être question d'être sûr de qu'est-ce qu'ils veulent aussi.
L'impératrice. Alors, on a l'empereur et l'impératrice. On a le couple divin. OK. On a ça. Stabilité, c'est vraiment, vous allez toutes les deux à la même place. On a le roi des baguettes. Passion, cette personne. Cette personne vous veut. OK? Vraiment. Est prêt à vous offrir énormément. De tous les côtés. On a le 6 des épées. Je ne suis même pas capable de parler. Je dis n'importe quoi. 6 des épées. Cette personne sait que c'est aller vers quelque chose de plus calme. Aller vers l'eau, des eaux plus calmes. Aller vers l'étoile. Regardez. Les eaux plus calmes. Quelque chose de plus paisible, de réciproque. On quitte des situations néfastes, toxiques. On est en pleine transformation. Alors, votre masculin est en pleine transformation et vous aussi. Les deux. En fait, vous apprenez, vous êtes peut-être plus d'avance un peu. OK? Mais cette personne est en période de transformation. Elle veut s'en aller vers quelque chose de plus calme. Elle sent que c'est avec vous que ça va être, que c'est avec vous, les eaux plus calmes. On voit élément air, gémeaux, verso, balance, possiblement. Il y a verso beaucoup ici dans la lecture. Wow! C'est beau. Il y a vraiment le couple, il y a la passion, il y a énormément de... Il y a le jugement. Alors, jugement, c'est enfin que ce dont vous avez rêvé, c'est là. Le dénouement souhaité, en fait. Le dénouement souhaité, c'est là. C'est tellement là. Cette personne avance vers vous, va communiquer dans pas vraiment très long. 5 des épées. Roi des pentacles. Quatre des épées. Alors, cette personne avait besoin d'un répit et on voit le chevalier des coupes. Alors, on voit cette personne, elle... Cette personne commence à sortir d'une déception, OK? Il y a eu une déception, ça peut être vous ici, qui a été très déçu dans cette situation. Vous sentez que on vous a trahi, ou on vous a pas tout dit, ou on vous a laissé tomber ici. Vous avez décidé de quitter seul cette situation. C'était trop difficile, c'était trop déchirant. On a le roi des pentacles. On essaie de trouver une stabilité. On a retrouvé une stabilité en prenant un recul d'une situation qui a été beaucoup trop blessante. OK? Alors, on a pris un recul. On s'est reposé. Et maintenant, on réalise où est-ce qu'on veut aller. Où est-ce que notre amour veut aller? On réalise ça. On est prêt à aimer maintenant. OK? Alors, il y a eu une déception ici. Soit vous ou votre personne, ou les deux. Alors, peut-être que vous avez vécu cette déception avec votre personne et votre personne a vécu cette déception par rapport à quelqu'un d'autre, OK? Dans le parcours de la flamme jumelle, souvent, on apprend les mêmes leçons, c'est un miroir. Alors, ça peut être les mêmes sortes de leçons. Alors ici, on parle de trahison, de déception, d'un sentiment qu'on nous a laissé tomber, tout ça, ça peut avoir été vécu par vous et par votre personne. Peut-être pas nécessairement en même temps, mais presque, en fait. C'était nécessaire. Le message est que c'est nécessaire pour cette personne d'avoir eu énormément de peine par rapport même à quelqu'un d'autre. OK? Par rapport au cœur qui déchire, par rapport au cœur qui, aux peines qu'on vit et le cœur qui déchire pour laisser entrer la lumière, en fait.
Message reçu. Alors, votre personne voit les messages, commence à comprendre cette connexion, commence à y penser, veut prendre une action. Il y a de l'action aussi qui s'en vient. Quelle action? Quelqu'un va faire quelque chose. On voit quelqu'un ici qui guérit de ses blessures, qui purge. Alors, purge des vieilles émotions qui ne sont plus bénéfiques pour eux. Ne les aide plus dans la vie. OK? Ici, à l'automne. Alors, peut-être cette personne va être prête à l'automne. Peut-être ça va se passer à l'automne. Ou il s'est peut-être passé quelque chose à l'automne. Ou est-ce que cette personne s'est réveillée à cette connexion à l'automne? Quelque chose est arrivé pour déclencher ça. Et cette personne s'est dit, « Wow! Qu'est-ce que c'est ça? » Je comprends pas. Et là, alors, votre personne s'est peut-être, elle a commencé à se réveiller peut-être à l'automne, à cette connexion. Ça ne veut pas dire que cette personne va aller vers vous tout de suite ou aussitôt qu'il se pose des questions à savoir qu'est-ce que c'est ça, parce que cette personne peut être complètement anxieuse, effrayée, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe dans la tête de cette personne par rapport à ça. Surtout, eux ne sont pas informés sur flamme jumelle ou âme sœur, s'ils ne regardent pas ça. Ou ils ont... Moi, je ne savais pas ce que c'était avant l'été passé. Je me demandais ce qui se passait dans mes filles, puis je suis tombée là-dessus. OK. On va regarder. Gardez ici. Je vais tirer trois cartes de ce jeu, OK? Gardez l'esprit ouvert. OK? Votre âme sœur peut être différent de votre genre ou vos attentes, OK, de d'habitude. Alors, souvent, c'est ça. La flamme jumelle, c'est quelqu'un qui vient même pas de ton monde, presque. Ou pas nécessairement de la même génération, peut-être une différence d'âge qui fait une différence de d'époque, mettons, OK, où cette personne peut venir d'un autre pays ou en tout cas d'une autre religion ou peu importe, cette personne est différente de votre genre habituel. Ici, on a cette personne. La carte de mariage. J'ai oublié de le dire. Ça, c'est une carte de mariage. OK? Alors, ça peut vous amener au mariage, mais ça peut être tellement fort, cette union, que ça peut ressembler vraiment à une union de mariage. Alors, vous êtes... C'est une liaison, ça, c'est une liaison, c'est divin, c'est une liaison divine. Alors, on peut pas éradiquer cette personne ou cette connexion du tout. On a de la difficulté à faire ça, OK? Même si on essaye, on peut essayer de bloquer cette personne, on peut essayer de faire toutes sortes de choses, mais vous allez trouver que ça revient toujours. La connexion est là, parce qu'on est connecté dans le 5D, c'est même pas, ça n'a pas rapport avec ici, en fait. OK. Bon. Alors, on voit ici religion, les facteurs religieux, OK? Votre vie amoureuse peut être influencée par comment vous avez été élevé et votre parcours spirituel. OK? Alors, encore, le message à répéter, c'est que c'est peut-être quelqu'un qui diffère d'idées ou quelqu'un qui pense... Les valeurs sont différentes peut-être un peu ou de la façon dont ils ont été élevés diffère. OK? Alors... C'est deux mondes différents qui se rejoignent, en fait. Plusieurs entre vous. C'est ce qui est surprenant. Parce que c'est ça qui fait qu'on se surprend. Parce qu'on se dit, ben voyons, je verrais cette personne dans la rue. Ça, non, je ne regarderais pas nécessairement. Pas que cette personne n'est pas belle ou quoi, mais c'est pas nécessairement quelqu'un que vous faites, ah, wow, tu sais, tout de suite. Mais oui, quand vous avez rencontré cette personne, ça a fait ça. Alors... il y a eu une reconnaissance d'âme, il y a eu la reconnaissance de l'âme, OK? Soul recognition, qu'on appelle. Alors, c'est ça qui est très weird, c'est bizarre. Alors, c'est ça qu'on fait, on se pose des questions. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est ça qui vous amène ici, en fait? On a les maîtres ascendants. Alors, il y a plusieurs personnes qui vous protègent ici. Plusieurs
peut-être de la famille qui sont décédés, qui vous guident, des membres de famille, même des ascendants qui vous guident, OK, dans ce parcours. Archange Michael travaille doublement fort ces temps-ci avec les gens sur ce parcours. C'est drôle, hein? Quand j'étais jeune, je croyais aux anges et tout ça. OK, je croyais aux anges. Après ça, j'ai eu un temps dans ma vie où est-ce que j'ai douté, où est-ce que j'ai... Hein? Je sais pas, là, si ça arrive à tout le monde. Après ça, là, ça revient. En tout cas, il y a définitivement quelque chose. Appelez ça qu'est-ce que vous voulez. Ange, guide, divinité, whatever, de n'importe où dans le monde que vous êtes, on ne le sait pas. OK? On a la foi de qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce qu'on croit, puis qu'est-ce qu'on nous a dit de croire. Qu'est-ce qu'on... Puis c'est correct aussi. Il n'y a rien de mal là-dedans. Hein? Vive et laissez vivre. Moi, je dis « vive et laissez vivre ». Moi, je sais pas pourquoi que le monde y chicane là-dessus. Hein? On s'en fout de ce que tu crois ou de ce que je crois. Ça change-tu quelque chose dans ta vie? Pas vraiment. Hein? Quand on y pense, il y en a qui s'acharnent avec ça puis ça fait toutes sortes de conflits par rapport. Ça, c'est un message. Ah! J'ai parlé de l'archange Michael. Voilà ici la reine de Michael. OK, alors, brillante, autosuffisante, j'essaie de traduire, sens de l'humour, beaucoup de... Bon, OK, je vais lire en anglais, puis il faudrait quasiment checker dans un dictionnaire. OK. Brilliant, self-reliant, insightful. Alors, quelqu'un qui est sage quand même, qui en sait, qui est intelligent, qui a du sens de l'humour. Vous savez exactement quoi faire, OK? Le bénéfice de l'expérience va vous aider ici et c'est un temps, mais de vous focusser sur votre carrière et pas trop sur les relations. Alors, laissez aller les choses. Laissez aller le flow de cette connexion comme elle veut aller, OK? Pas essayer de contrôler le dénouement, d'essayer de contrôler qu'est-ce qui se passe. Oh, j'ai pas de nouvelles, qu'est-ce que je fais? Est-ce que cette personne m'a oublié? Est-ce que je dois faire quelque chose pour que cette personne se souvienne de moi? Si cette personne vous oublie, ben elle vous oublie, hein? Ça arrivera pas si c'est votre flamme jumelle. Désolée. Alors, avoir la foi en ça. Comme ça, on peut vivre notre vie. Continuer à vivre. S'amuser. OK? Pas être en attente constamment. Alors, c'est tous les messages pour vous. J'espère que ça vous a donné un peu de réconfort, cette lecture. Laissez-moi savoir si ça vous parle. Merci beaucoup de vous abonner, d'aimer et de partager. Et je vais vous revenir très bientôt avec une autre lecture, possiblement dans 2-3 jours. OK, bye bye!